Bonjour les amours, comment allez-vous? J'espère que bien. Moi je vais bien. Déjà, je vous annonce que je commence à vous recevoir à partir de demain. Demain c'est mardi, aujourd'hui c'est lundi. Et je vous souhaite déjà une bonne journée de lundi et une bonne semaine surtout. Ok mes amours, déjà je vais me plaindre un peu de mes abonnés, surtout de l'Europe. Mais particulièrement ceux de l'Allemagne. Quand je vous envoie vos colis et que j'envoie le numéro de suivi, quand vous mettez que vous n'arrivez pas à afficher le numéro de suivi, automatiquement contactez-moi. Vous n'attendez pas 2, 3 semaines et après pour me dire non, le numéro de suivi ne passe pas. Et oh, déjà, le colis il va maximum 4 ou 5 jours, vous avez le colis. Mais quand vous traînez, le colis il retourne chez moi. Donc, si prochainement je vous envoie vos colis que vous ne suivez pas, que le colis revient chez moi, je ne pourrai rien faire pour vous. Vous serez obligé de payer, repayer encore le frais d'envoi pour que je vous l'envoie. Donc, je vous préviens, mes amours de l'Allemagne, c'est tout. Mais de l'Europe aussi, faites très attention quand je vous envoie vos colis. Suivez le numéro de colis. Maintenant, je vous dis que je suis en Afrique, je suis en Côte d'Ivoire. Et mon numéro WhatsApp de l'Europe, c'est le 00337 72 29 46 94. Je n'ai pas un autre numéro de WhatsApp de l'Europe. Donc, parce que je vois, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour moi. Et c'est son logo, c'est l'initiale de mariage 2020 qu'il a mis. Et il s'est fait passer pour moi. Et il explique même que c'est pour cela que j'ai désactivé les commentaires sur ma chaîne YouTube pour ne pas que les gens mettent les numéros. Donc, faites très attention. J'ai qu'un numéro WhatsApp de l'Europe. Et le numéro officiel, c'est le numéro 225 97 36 17 81. Lui, on peut appeler, il est WhatsApp aussi. Voilà, donc je voulais éclaircir ça. Je suis en Côte d'Ivoire et aujourd'hui ou demain, en tout cas, je vais mettre déjà le numéro du fixe sur ma page Facebook et je vais vous communiquer ça aussi sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner un bain pour ceux qui ont des problèmes avec leur chef. Ça veut dire que tu arrives et puis on te convoque, le chef t'a convoqué pendant combien de temps, il doit te voir. C'est pour vous que je vais donner ce bain, c'est un bain très simple, voilà. C'est même pas un bain quand je dis un bain, c'est un rituel, mais comme maman Fatou habitué à faire les bains, est-il les bains? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ce fruit-là, c'est un fruit que vous allez acheter. On appelle ça en Bambara, Ndiribara. Ndiribara, je vais mettre le nom scientifique dans la description. C'est Ndiribara. Quand tu sais que tu as été convoqué par tes patrons, que tu dois aller pour qu'ils t'entendent, ou bien le patron t'a appelé urgemment, et tu dois partir, tu vas acheter le fruit de Ndiribara parce que c'est un fruit. Tu ne l'enlèves pas dans la peau, tu le laisses tel qu'il est. Tu achètes Ndiribara, tu le laisses tel qu'il est. Et qu'est-ce que tu dois faire avec? Tu vas mettre ça sous ton aisselle et tu déposes ton aisselle dessus. Tu mets sous ton aisselle et tu vas vers ton chef. Je sais de quoi je parle avec ce fruit-là parce que moi-même j'ai essayé ça beaucoup. Quand tu vas arriver, la plupart du temps, hein, le chef même ne se souviendra pas qui t'a convoqué. Soit quand tu vas lui dire, il va nier. Il va te dire, non, je ne t'ai jamais convoqué. Et tu retournes t'asseoir tranquillement ou bien tu vas vaquer à tes occupations. Prends la vaisselle là, ça peut importe, gauche ou bien droite, c'est pareil. Tu mets en bas et puis tu t'en vas. Et quand c'est comme ça, le chef ne se souvient même pas qui t'a convoqué pour dire qu'il va te dit quelque chose. Lui-même, il va nier qu'il ne t'a pas appelé. Il va nier qu'il ne t'a pas appelé. Donc, voilà. Maintenant, je vais donner un bonus aujourd'hui, mais ça, c'est pour mes amours, corps habillés, mes amours, mes frères et sœurs d'âme. Si tu sais que tu dois aller et tu as été sélectionné pour aller au Darfour, en guerre, parce que quand tu vas au Darfour, tout ça, c'est en guerre. Avant d'aller, tu vas chez dans ta famille paternelle. Tu comprends? Tu vas dans ta famille paternelle. Si ton père vit encore, tu vas chez lui. Qu'est-ce que tu fais? En sortant de la porte, quand tu es chez lui maintenant, en sortant de chez lui pour partir chez toi,
tes deux mains là, tu frottes, tu vas frotter tes deux mains sur l'entrée de la porte pour sortir. En sortant, tu frottes tes deux mains sur la porte pour sortir. Je te jure que mon frère, ma soeur, mes amours, le corps habillé, vous reviendrez sain et sauf. Même pas avec une égratignure sur le corps, vous allez revenir sain et sauf. J'ai bien dit, avant d'aller vous partir dans votre famille paternelle, et en sortant de la maison, vous frottez vos deux paumes là, vous voyez, vous frottez ça sur la porte pour sortir. Et c'est tout. Il n'y a pas de magie dedans. Frotte seulement la main sur les paumes, les deux portes, les deux entrées là. Vous frottez pour sortir. Et c'est tout. Mes amours, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous reçois à partir de demain. Vous devez appeler parce que je reçois sur rendez-vous. On ne vient pas quand on veut. Je suis pas loin de la station mobile là, aux deux plateaux. Donc, vous appelez le numéro 97 36 17 81 pour les rendez-vous. Donc, c'était juste pour vous faire un coucou et que maman a commencé. Portez-vous bien, mes amours. Bisous.